Les mystères joyeux. À la question « Pourquoi sommes-nous sur terre ?», nous avons appris au catéchisme « Nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, afin de le servir et ainsi parvenir au ciel. » On ne saurait dire davantage et mieux en moins de mots. Le but de toute existence est de parvenir au ciel. La venue de Jésus-Christ en ce monde n'a d'autre but que celui-là, nous mener au ciel en nous en donnant les moyens. Pour cela, il nous fait connaître le Père éternel et nous enseigne à le servir en notre qualité de fils et de filles que nous sommes. Pendant 3 années, Jésus parcourt la Palestine pour nous enseigner par la parole et par l'exemple comment servir Dieu. Il nous donne l'exemple d'une vie totalement consacrée à servir le Père des cieux. Il va jusqu'à accepter la mort la plus ignominieuse qui soit pour nous montrer jusqu'où va son amour pour nous, mais aussi et surtout jusqu'où le Père des cieux mérite d'être aimé. Dieu, la vie éternelle, qui sont une seule et même chose, sont si beaux, si grands, si essentiels, que rien ne saurait être pire que de les perdre. Les mystères joyeux nous concernent particulièrement car ils nous montrent Jésus dans sa vie cachée. Nous ne sommes pas tous destinés à entrer dans un ordre religieux ou à embrasser le sacerdoce. Tout le monde n'a pas vocation à accomplir de grandes choses qui resteront dans la mémoire collective. Mais tous, nous sommes appelés à servir, connaître et aimer Dieu dans l'enfouissement de notre vie quotidienne, faite d'une succession de choses sans importance aux yeux du monde, mais indispensables à ceux qui nous sont confiés. Et c'est l'accomplissement fidèle et constant de toutes ces petites choses, faites dans l'amour de Dieu, dans le but de le servir et de l'aimer, qui nous ouvre la vie éternelle. Le ciel est débordant de petites gens qui n'ont rien fait de grand aux yeux du monde, de quidam dont plus personne ne se souvient ici-bas, qui ont gagné leur ciel dans la discrétion d'une vie apparemment sans importance, et pourtant toute tissée d'amour de Dieu et du prochain. Tout faire par amour pour Dieu, dira Thérèse de Lisieux, même ramasser une aiguille par amour peut sauver le monde. Les saints du ciel sont plongés dans la pleine connaissance de Dieu. À présent, ils l'aiment parfaitement et tout leur bonheur consiste à le servir dans la perfection de l'amour. Les âmes du purgatoire rattrapent dans la douleur toutes les occasions manquées de mieux connaître Dieu, de mieux l'aimer et de mieux le servir. En priant pour elles, apprenons de leurs erreurs à bien gagner notre ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Lorsqu'en raison de la faute originelle, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, les portes du paradis se sont fermées aussi pour toute leur descendance. Dieu a posté son ange à la porte du paradis afin d'en interdire l'accès à tous ceux qui sont marqués de la tache du péché originel. Mais dès la faute d'Adam et Ève, Dieu, dans sa miséricorde insondable, a promis la venue d'un Rédempteur qui rachèterait l'humanité et lui ouvrirait à nouveau les portes du royaume des cieux. Les temps sont à présent accomplis, et Dieu réalise sa promesse en envoyant son ange à Marie, la Vierge de Nazareth, pour lui demander de devenir la nouvelle Arche d'Alliance, c'est-à-dire le canal de la grâce, la femme par qui le Rédempteur vient au chevet de l'humanité blessée, malade, pour la relever et la rendre capable de cheminer vers le royaume. Dans un grand élan d'amour, Marie répond « oui » à l'ange et se donne entièrement à sa mission de mère, d'éducatrice, de disciple du Rédempteur. Parce que Marie a dit « oui » à l'ange, le salut a pu entrer dans le monde. Par son oui, l'humanité a pu accueillir celui qui l'amènera jusqu'au ciel, où est sa véritable place. Oui, nous sommes destinés à un bonheur éternel, et par toute sa vie, Marie nous montre bien que les difficultés présentes ne sont rien en comparaison de la récompense du ciel qui nous est promise. Même si Dieu réalise l'essentiel, il fait de notre oui un élément capital de notre salut. Chacun doit y contribuer, ainsi qu'à celui de ceux qui l'entourent, par la prière, par la parole, par l'action. Les saints du ciel ont donné leur oui à Dieu en union avec celui de Marie et se sont employés chaque jour de leur vie à répondre à la grâce, en accomplissant leur devoir d'État dans l'amour de Dieu et du prochain. Comme pour Marie,
leur oui n'a pas été un simple acquiescement, donné un moment, repris l'instant d'après et redonné uniquement quand ça les arrangeait. Il a été constant, entier et même grandissant au fur et à mesure de leur avancée en âge et en sainteté. Au purgatoire, grâce à la miséricorde de Dieu, se trouvent ceux de nos défunts dont le oui n'a été que chancelant, partiel, peut-être même réfractaire. Nous leur ressemblons tellement. En nous employant à une plus grande fidélité à la grâce, à l'image de Marie, nous pouvons voler à leur secours et réparer leurs inconstances, afin de hâter leur purification et leur procurer promptement la joie du face-à-face avec Dieu. Nous sommes en capacité, par notre vie toute simple, mais toute donnée à l'amour, de mener nos défunts au bonheur du royaume des cieux. Si nous les aimons vraiment, comme nos larmes voudraient en témoigner, retrouvons-les dans la prière et portons-les jusqu'aux portes du paradis, d'où ils nous aideront à cheminer d'un pas plus alerte vers la maison du Père où ils nous attendront. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Deuxième mystère joyeux, la Visitation. Dans la joie de l'Annonciation, Marie se lance dans l'aventure de la Visitation et entreprend le voyage aussi long que pénible qui l'amènera chez sa cousine Élisabeth. Par sa simple présence, par ce qu'elle est, Marie provoque l'effusion de l'Esprit-Saint qui se traduira par un bonheur sans égal pour Élisabeth et la sanctification in utero de Jean-Baptiste qui en cet instant devient le précurseur. Marie visite chaque jour ceux qui lui ouvrent la porte par la prière, et à chaque fois elle répand ses grâces en surabondance. Chaque fois que nous l'accueillons, Marie qui n'amène que paix et joie, nous transporte dans un bonheur identique à celui d'Élisabeth lors de la Visitation. Au ciel, les saints vivent dans une joie intense et perpétuelle, une visitation permanente, car ils jouissent de la vision non seulement de Dieu, la beauté devant qui toutes les beautés pâlissent, mais aussi de la douceur de l'amour de Marie, dont ils se savent aimer au-delà de toute mesure. Et si Marie nous visite en cette vie, elle qui est fidèle au-delà de toute fidélité, elle qui est mère plus que toutes les mères réunies, visite aussi les âmes de nos défunts qui se trouvent dans le purgatoire, afin de les soulager dans leur peine, les encourager dans leur cheminement de purification. À Sainte Brigitte, Marie dira à ce sujet, « Je suis la mère de tous ceux qui sont en purgatoire, et toutes les peines qui sont affligées aux morts pour l'expiation de leurs fautes, sont allégés par mes mérites. » À cela, saint Vincent Ferrier ajoute, « Comme Marie est bonne pour ces âmes captives qui gémissent dans le purgatoire. Par son entremise, elles sont à chaque instant soulagées et secourues. » Avec Marie, visitons nos chers défunts dans la prière. Qu'ils soient en paradis ou en purgatoire, nos prières les réjouissent. Dans le premier cas, parce qu'ils pourront les appliquer à d'autres défunts encore en voie de purification. Dans le second, parce qu'elles les aideront à avancer vers le ciel tant désiré. Par ailleurs, et ce n'est pas la moindre des raisons, nos prières feront la joie de Marie, qui pourra les appliquer par voie de suffrage aux défunts les plus abandonnés. En venant au secours des défunts,
nous nous assurons nous-mêmes d'être secourus le moment venu. Ne l'oublions pas, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les
âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Jésus naît à Bethléem dans l'indifférence totale des habitants de la ville, absorbés par leurs affaires. Ne viennent à la crèche que deux catégories de personnes, de pauvres bergers, des mages en quête du vrai Dieu. Les bergers passent leur veille à la garde des troupeaux, veille au cours desquelles très certainement ils prient et se remémore les prophéties au sujet du Messie. Les mages avaient, quant à eux, passé leur vie à chercher dans les astres les traces du vrai Dieu. Aussi bien la simplicité des bergers que la droiture, la recherche honnête, loyale, désintéressée des mages sont à présent récompensées. En se rendant à la crèche, ils trouvent celui qu'ils ont cherché. Et malgré des apparences contraires à tout ce qu'ils ont imaginé, ils n'ont aucun doute sur le fait que cet enfant est bien le vrai Dieu, celui qu'ils ont attendu et cherché. Comme les bergers, comme les mages, les saints sont arrivés au bout de leurs recherches. Leurs désirs sont comblés, ils sont à présent en pleine possession du Dieu vivant, et cette possession les remplit pleinement. À Sainte Catherine de Sienne, Jésus dit « L'âme juste, qui termine sa vie dans la charité, est éternellement liée à l'amour. Elle ne peut plus croître en vertu parce que le temps est passé, mais elle peut toujours aimer Dieu avec l'ardeur qu'elle a eue pour venir à moi. Et c'est cette ardeur qui est la mesure de sa félicité. Toujours elle me désire, et son désir n'est pas trompé. Toujours elle aime, toujours elle me possède. Elle a faim et elle est rassasiée, sans jamais éprouver l'ennui de la satiété ni la peine de la faim. » Les âmes du purgatoire aspirent à la possession pleine et entière de Dieu. Lors du jugement particulier, elles ont entrevu une étincelle de l'infinie sainteté de Dieu. Cette petite étincelle a allumé en elle un brasier ardent, car d'une part, elles brûlent du désir de s'unir à lui, et d'autre part, elles ne le veulent pas tant qu'elles ne sont pas entièrement dignes du Dieu trois fois saint. Nos prières, notamment la participation à la Sainte Messe, la récitation du rosaire, nos bonnes œuvres, procurent à nos défunts les moyens de hâter leur union au Dieu vivant. De nombreux mystiques, dont sainte Gertrude, sainte Mechtilde, sainte Véronique Giuliani, sainte Catherine de Sienne et bien d'autres, affirment que la nuit de Noël, un grand nombre d'âmes quittent le purgatoire pour le ciel, et même qu'elles sont plus nombreuses qu'en aucune autre nuit. Jésus est notre échelle de Jacob. Il descend du ciel pour nous y faire monter, même si pour la plupart, il nous faudra passer par le purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Amen.
Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Lorsque Siméon reçoit Jésus dans ses bras, il bénit Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu prépares à la face de tous les peuples. » Maintenant qu'il a vu le Messie, maintenant qu'il voit la réalisation de la promesse de Dieu à l'égard d'Israël, mais aussi à son égard, il peut quitter ce monde en paix. Les saints sont tous morts d'un cœur léger. Ils ont accepté la mort et la forme qu'elle a prise pour venir à eux. Qu'ils soient morts martyrs en versant leur sang pour la foi, ou plus sereinement entourés d'âmes pieuses, ils ont attendu la mort, attendu son appel, mais comme on attend une lettre d'amour à 20 ans. Ils ont passé leur vie à approfondir leur connaissance de Dieu et à s'en remettre à lui et à tout recevoir de sa main paternelle en toute gratitude et reconnaissance. Et tout ce que Dieu a permis ou ordonné dans leur vie les a purifiés de toutes leurs fautes. Si bien que pour la plupart, ils n'ont fait que survoler le purgatoire, voire l'ont évité. Sainte Thérèse de Lisieux nous dit à ce sujet, « Écoutez jusqu'où doit aller votre confiance. Elle doit vous faire croire que le purgatoire n'est pas fait pour vous, mais seulement pour les âmes qui ont méconnu l'amour miséricordieux ou qui ont douté de sa puissance purificatrice. » Avec ceux qui s'efforcent de répondre à cet amour, Jésus est aveugle et ne compte pas, ou plutôt, il ne compte pour les purifier que sur ce feu de charité qui couvre toutes les fautes et surtout sur les fruits de son perpétuel sacrifice. Oui, malgré vos petites infidélités, vous pouvez espérer aller droit au ciel, car le bon Dieu le désire encore plus que vous. Et il vous donnera sûrement ce que vous aurez espéré de sa miséricorde. C'est votre confiance et votre abandon qu'il récompensera. Sa justice, qui connaît votre fragilité, s'est arrangée divinement pour y parvenir. Seulement, en vous appuyant sur cette assurance, veillez bien qu'il ne perde pas en amour. La prophétesse Anne avait passé sa vie à servir Dieu dans le jeûne et la prière, ne quittant pas le temple. Les âmes en purgatoire ne l'ont pas imitée ou pas suffisamment, et parce qu'elles n'ont pas suffisamment prié, jeûné, elles doivent rattraper toutes ces occasions manquées de se purifier de leurs péchés. Apprenons de Siméon et d'Anne, deux prophètes, le moyen d'éviter le purgatoire. Espérez fermement la fidèle bonté de Dieu, le servir dans le jeûne et la prière. En priant pour nos défunts, nous payons nos propres dettes à la manière du mauvais intendant qui, pour apurer les siennes, les remet aux autres débiteurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Après l'épisode du recouvrement au temple, l'évangéliste nous dit que Jésus s'en est retourné avec ses parents à Nazareth, où il leur a été soumis. Lui, le Dieu Tout-Puissant, s'est soumis à Marie et à Joseph, qui, même s'ils sont investis par Dieu de l'autorité sur un plan humain, lui sont infiniment inférieurs, aussi bien par la nature que par la grâce. Si Jésus s'est soumis à ses parents, c'est que la leçon que nous pouvons tirer de sa soumission dans la vie cachée de Nazareth est au moins aussi importante que tout son enseignement de 3 années de vie publique.
Très peu de saints se sont formés sous les lumières des projecteurs, et ils sont peu nombreux à s'être illustrés par des actes héroïques. La majeure partie de la multitude des saints s'est sanctifiée dans l'enfouissement du quotidien qu'ils ont transfiguré en le vivant à la lumière de l'Évangile. Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Telle aurait pu être l'une des devises des saints qui ont tout fait, tout dit, tout pensé sous le regard du Père qui voit dans le secret. La majorité d'entre nous n'est pas appelée à réaliser des choses extraordinaires, mais à poser des actes ordinaires dans un quotidien aussi ennuyeux que quelconque. Cela dit, la sainteté de notre quotidien est appelée à déborder de grâce jusqu'en purgatoire, et la prière pour les défunts destinée à nous devenir habituelle. La bienheureuse Anne-Marie Taïgi, une Romaine du tiers ordre de la très sainte Trinité, avait une grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Elle priait beaucoup pour elles et leur appliquait le fruit de ses prières, de ses pénitences, de ses bonnes œuvres. Elle était persuadée que Dieu la secourrait dans ses propres tribulations si elle consolait elle-même ses âmes destinées au ciel. Plusieurs fois, en effet, elle a ressenti le secours divin d'une façon tout à fait miraculeuse. Un jour, alors qu'elle venait d'offrir pour une défunte de sa connaissance la messe à laquelle elle avait participé, son âme lui apparut rayonnante de lumière et lui dit « Je te remercie, ma bonne sœur, de ta charité. Je me souviendrai de toi dans le ciel, où grâce à tes prières, je vais être heureuse toute l'éternité. » Anne-Marie en fut si ravie qu'elle pensa en mourir de bonheur. Le christianisme est la religion du bonheur, et tous les saints ont été heureux dès cette vie, même si aucun n'a été exempt de souffrance. Car d'une part, c'est en faisant le bonheur des autres que nous construisons le nôtre, et d'autre part, les plus petites choses, du moment qu'elles se font dans l'amour de Dieu et du prochain, deviennent des hauts faits dont l'éternité conserve et la mémoire et les fruits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô saint patriarche et prophète, offrez pour moi l'adorable Trinité, le désir que vous avez eu de l'incarnation de Jésus, et faites que j'aspire ardemment après lui que vous avez désiré et si longtemps attendu. Ô saints apôtres, offrez pour moi l'adorable Trinité, la fidélité et la persévérance avec laquelle vous avez prêché l'Évangile de par le monde, pour former à Jésus un peuple fidèle. Faites que j'aime toujours davantage celui que vous-même avez aimé de tout votre cœur. Ô saint martyr, je vous en conjure, offrez pour moi l'adorable Trinité, la patience avec laquelle vous avez supporté votre martyre. Obtenez-moi que je me dépense sans compter au service de Jésus, pour l'amour duquel vous avez livré votre corps à la mort. Ô saint confesseur, je vous en supplie, offrez pour moi l'adorable Trinité, la sainteté héroïque en laquelle vous avez montré aux autres la voie de la vie. Faites que je m'élève au sommet de la perfection pour l'amour de Jésus, pour qui vous avez tout abandonné. Ô sainte Vierge, offrez pour moi, je vous en conjure, à l'adorable Trinité, votre pureté et votre intégrité qui vous ont mérité d'être les plus rapprochés de Dieu. Faites que je triomphe dans la chasteté de l'esprit et du corps et en toutes choses pour l'amour de Jésus à qui vous avez consacré votre virginité. Et vous, Seigneur, précédez l'assemblée de vos saints
et faites pour moi l'offrande à Dieu le Père de toute votre très sainte et parfaite vie sur terre, avec le fruit de votre passion, en réparation de tous mes péchés et omissions, en sorte que par vous, tout ce qui est de moi reçoive son supplément et sa perfection. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, je t'en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne t'ont pas aimé, ni rendu tout l'honneur qui t'est dû, à toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les a adoptées comme tes enfants. Mais elles, au contraire, t'ont à cause de leurs péchés, chassées de leur cœur où tu voulais pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je t'offre l'amour et la vénération que ton Fils incarné t'a témoigné tout au long de sa vie terrestre, et je t'offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement ton saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre tout l'honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen. Que ton règne vienne. Je t'en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel ils souhaitent ardemment qu'elles deviennent elles aussi héritières de son royaume. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté et la soumission la plus profonde qu'il te témoigna en t'obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux et aussi en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je t'offre la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes,
dont elles se sont rendues coupables, je t'offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Mais délivre-nous du mal et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduis-nous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton royaume de gloire éternelle qui s'identifie à toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.